allé te reposer ? Si, mais finalement, j'ai changé d'avis. Ce matin, on a reçu les dates des périodes disponibles de la maison en Jamaïque. L'agence attend une réponse lundi. Qu'est-ce que tu en penses ? Là, chérie, on ne peut pas dire que tu débordes d'enthousiasme. Je me trompe ? On fait ce que tu décides. Oh, et puis quelle importance. Puisqu'aucun de nous deux n'a véritablement envie d'y aller. J'ai un rendez-vous important. Ne t'en fais pas, ça ne sera pas long. Allons-y, j'ai qu'une heure. Vous savez, en demandant de l'aide pour cette affaire, je pensais pas au président de la compagnie. Ça me maintient en forme. Le client a eu 2 incendies en moins de 90 jours. Comme quoi le marché du yaourt n'est plus ce qu'il était. Mes gars sont allés chez Arson, ils sont convaincus que l'incendiaire, c'est ce gamin qui travaille dans un des magasins. Ouais, il est à Palm Springs. Je pense qu'on fera plus de mal à ce type en ne le payant pas plutôt qu'en l'envoyant en prison. Tenez. C'est quoi ? La musique adoucit les mœurs. Son surnom, c'est Edil Gretin. Ne l'appelez pas comme ça, il a un caractère apocalyptique. Hé, hey, Franck, Charlie, regardez-moi ces filets de bœuf. Et qu'est-ce qui glande ici, cela ? Hé, vous voyez pas qu'il y a une fête chez moi aujourd'hui ? On a seulement quelques petites questions à vous poser. C'est qui, votre copain ? Nick Stillman, First Standard Assurance. Ah oui, l'enfant prodige. Les journaux n'arrêtent pas de parler de vous. Jamais croire ce que racontent les médias. Exact. Aujourd'hui, on fête l'anniversaire de ma femme et vous vous pointez, tranquille. Ces incendies représentent beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on doit bien s'assurer. L'alarme anti-effraction s'est déclenchée à 1h07 précise. La voiture des pompiers était sur les lieux à 1h20 et quelques secondes, ce qui ne fait que 13 minutes. Et pourtant, quel brasier, il n'y avait personne. Les assureurs, vous êtes de beaux enfoirés, vous êtes tous pareils. C'est dans ma nature. Faut toujours que je comprenne. Donc vous allez essayer de me sucrer ce qu'on me doit. Vous allez pas me payer. Ah, il est exact que j'ai un problème avec les incendiaires. Ah, mais je rêve ou bien c'est une accusation. Là, dans mon jardin, devant mes invités. D'après votre dossier, vous avez réévalué toutes vos polices à 500 000 dollars chaque préjudice le mois dernier. De là, sans doute, votre surnom d'Edil Crétin. Maintenant, écoute-moi bien, sombre débile. J'ai trouvé votre incendiaire. Il habite Palm Springs dans un appart tout neuf et il a payé sa première traite en liquide. Et là, vous me paraissez un peu trop généreux au niveau des paillets. J'ai bien envie d'emmener ce petit ouvrier devant le juge pour qu'il m'explique d'où vient l'argent. D'accord, on discute. Oh, non, on discute de rien à présent. Demain, vous renoncez au règlement et vous allez remonter une autre affaire quelque part où il y aura moins de risques ou vous allez en tôle. Merci de faire les affaires avec la First Standard Assurance. Eddie ! Désolé pour le dérangement. Merci. Hey, du champagne. Merci, c'est gentil, je vous en prie. En tant qu'avocat, j'ai toujours été convaincu que survivre à 16 années de mariage, surtout par les temps qui courent, devrait au moins nous permettre d'obtenir quelque chose comme le prix Nobel de la paix. Mais n'ayant moi-même jamais affronté le cours tumultueux des eaux portant l'embarcation du couple, je dois m'incliner devant le réel succès de mes deux meilleurs amis, Alice et Nick Stillman. Ou peut-être serait-il plus opportun de dire, devant la femme que j'adore et devant le type banal qui a obtenu son diplôme de fin d'études grâce à moi et qui a eu l'extrême inconvenance de l'épouser, Alice et à Nick, pour maintenant et surtout à jamais. Alice et à Nick. Alors, toujours tes envolées poétiques. Hey, ça me donne une bonne excuse pour boire. Et continue à boire. Avec plaisir. Je te remercie pour la broderie. Je pense que ça ne serait pas un vrai mariage si on n'était pas forcé de s'endimancher. Merci, non ? Ça vous change sûrement du calme habituel, pas vrai ? J'en sais rien, je travaille chez Bande Musique. Paul ! Ah, vous voilà enfin ! Nick,
Je te présente Paul Arias, le père Paul Arias. Ah oui, le prêtre grand guerrier, combattant les services d'immigration de tout son cœur. Nous avons la chance que ce soit votre femme qui dirige l'accusation. Je suis heureux qu'elle mène un autre combat, outre celui de ma conscience sociale. Ou peut-être vous sentez-vous coupable grâce à elle, du coup, pour le moins, exagérer des assurances dans ma communauté. Malheureusement, mon père, les rares assurés qui payent, sont contraints de supporter ceux qui omettent de le faire. Vous êtes ici chez vous. Jack! Excusez-moi, Alice. J'ai appris à me tenir dans les quartiers Est, pas à Beverly. C'est rien. Il a un très grand respect pour tous ceux qui vont droit au but. N'arrangez pas. Bien. Tu viens, Alex. Tenez, monsieur. Merci. Un petit punch avec glace sans fruits. C'est pour mon père. La señorita. Danny? Ah, bonjour, maman. C'est pour Alex. Rassure-toi, il a plus de 21 ans. Oh, ça, il les a sûrement. Puis-je avoir ce verre? Danny? Quelle surprise. Tu te souviens de moi? Ta maman m'a dit que tu avais enfin un petit ami sérieux. J'ai eu envie de l'amener, pour te contrarier. Un médiocre de bas étage, sans doute. J'essaie de vivre en accord avec ma réputation. S'il vous plaît, arrêtez un peu. C'est une remarquable. Bien joué, pas. Il y a ici à peu près 50 ou 60 de tes meilleurs amis, c'est Danny, génial. Je t'en prie. Surtout, n'oublie pas demain, maman. Qu'est-ce qu'il y a demain? Elle a sa partie de cross. Elle est dans la meilleure équipe de marqueurs, souviens-toi. Il y a 10 ans, on ne t'aurait jamais surpris dans une réception de ce genre, Nick. Il y a 10 ans, on ne m'invitait pas dans ce genre d'endroit. Oui, parce que tout le monde croyait que tu voulais les jeter en prison pour fraude. C'était vrai. Tu es le seul que je connaisse qui, lorsqu'il regarde 2 pigeons sur un mur, voit une association de malfaiteurs. Mais qu'est-ce qui t'a dit de me dire ça? Tout le monde ici. Elle a 16 ans, Nick, et nul ne te demande d'être capable d'autorité. Ouais, t'as peut-être raison. C'est nous connaître l'un l'autre qui nous fait défaut. Ah, et à qui est la faute, Nick, entre nous? Ça va, tu te sens bien? Ouais, je suis fatigué, c'est tout. Tu devrais essayer de lever le pied de temps à autre. Je vais prendre un verre. T'en veux un? Non, je vais me fondre dans l'océan. Il me sent mon cigare. De l'eau, vite. Vite. Hein? Excusez-moi. Cardio est prêt? Affirmative, bloc 1. Nick, tout va bien se passer. Qu'on lui fasse une numération tout de suite. Il y a peu d'espoir. Nick. C'est David Bosch. C'est lui qui va s'occuper de toi.
Tout va très bien se passer. Le patient est prêt, docteur. Vérifiez son EEG. Le cœur semble en parfaite condition. Parfait. Nous sommes prêts, docteur Bausch. D'accord. Ça s'annonce bien. Tu viens de subir une transplantation, chérie. Tu as un nouveau cœur. Ça va, Nick ? J'ai l'impression d'être un adolescent qu'on vient d'adopter. Il y a 10 jours, j'étais en train de fêter mes 16 ans de mariage, et là, je suis en train de porter le cœur d'un autre. Vous allez bientôt pouvoir reprendre vos activités. Alors, il est bien normal de se montrer curieux, n'est-ce pas ? Qui était le donneur ? Je veux dire, il vivait où ? C'est dans ma nature. Il est vrai que le cœur est chargé de symboles mystiques. Mais c'est une simple pompe, rien d'autre. Son origine importe peu. D'accord avec ton chirurgien. Je crois surtout que tu essaies de m'empoisonner pour ensuite avoir Alice à toi tout seul. Oui, c'est pas une mauvaise idée, ça. Je parie que t'étais déçu quand t'as su que j'avais un nouveau cœur. En tout cas, maintenant, on sait que t'en as un. Danny. J'espère qu'on ne t'a pas greffé le cœur d'un tueur en série, ce serait franchement dommage. Et même si on l'a prélevé sur un criminel, quelle importance? Un criminel d'honneur, ça rend les gens curieux. Ce qui est curieux, c'est de recommencer une deuxième vie. Bon, je dis qu'habituellement, ces dons sont anonymes. Eh bien, disons qu'ils ne seront plus anonymes maintenant. Ainsi parlent les cadres de grande envergure. Je veux seulement savoir qui il était et quel type d'homme c'était. Mais pourquoi il? Ça peut être elle. Mais peut-être également, Bausch a-t-il exploré de nouvelles frontières. Un babouin donne son cœur pour sauver un capitaine d'industrie. Vous devenez tous pervers. Dois-je entendre que tu n'éprouves aucun sentiment de curiosité? Non. En revanche, toi, tu as vraiment envie de savoir, non? Tu voudrais pas, toi? Tu sais, hier, Bausch m'a dit que faire l'amour fatigue autant ton cœur que faire 3 fois le tour du voisinage. J'ai jamais écouté battre mon cœur. Je n'y pensais même jamais, alors qu'aujourd'hui, souvent je m'assois et j'écoute son rythme. Je compte le tempo. J'essaie de savoir si c'est toujours pareil. Si je suis bien le même homme qu'avant. Je connais une façon très rapide de le savoir.
rappelle qu'on a fait 3 fois le tour du voisinage. On n'a qu'à entrer par le même chemin. Ça sera un endroit magnifique. Dans 10 ans, la transplantation sera un acte chirurgical aussi banal qu'une amygdalectomie. Mais il nous faut une clinique dans ce style pour qu'on voit ce qu'on peut faire. Vous êtes un des heureux élus, Nick. Mais pour un comme vous, il y en a des centaines pour qui ça ne marche pas. C'est d'accord, j'accepte. Il le savait déjà. Ayez confiance, tout ira bien. On se revoit demain. Merci, mon père. Je vous en prie, Alice. Alors, Edward ? J'ai obligé le juge à nous accorder un ajournement. Tu sais, Alice, je suis vraiment heureux pour moi que tu ne travailles plus pour le procureur. On n'avait fait que retarder l'inévitable, Stillman. Dans 30 jours, ils repasseront la frontière avec ou sans leurs enfants. Et vous le savez. Quel sens humanitaire extraordinaire de Nelly. Alors, raconte cette convalescence. C'est agréable ou non ? Convalescence est un mot étranger au vocabulaire de Nick. Je parlais surtout de toi. Non, je veux bien. Non, justement. En y réfléchissant, j'ai été une sorte de goule vorace. Comme si je souhaitais à tout prix la mort de quelqu'un, afin qu'on puisse sauver son cœur comme la batterie d'une voiture à la casse. Non, tu n'as pas eu le choix, je te signale. Nick était à 2 doigts de la mort. Tu n'avais rien d'autre à faire que ça. Il veut recommencer à travailler, tu te rends compte? Bon, et qu'est-ce que Bosch en dit? Nick n'est qu'un autre trophée qui figurera sur le CV de Bosch, un collecteur de fonds supplémentaires. Quand on se montre aussi ambitieux que Bosch, on se fait un point d'honneur d'être très attentif aux VIP tels que Nick Stillman. Et tant que je parte... Je vais voir si je peux marchander un homicide involontaire contre une voie de fait avec le juge. Ton client est coupable ? Ils le sont tous. Bienvenue chez vous. Monsieur Stillman, on est profondément heureux. Merci. Ravi. Merci. Monsieur Stillman. Oh, monsieur. Bonjour. Stillman. Désirez-vous un peu d'eau gazeuse? Quoi? Plus de café, Nick. Plus de bonbons, plus rien. Ordre du docteur. Son seul désir, en fait, c'est de me torturer. Bureau de Monsieur Stillman. Un instant, je vous prie. Roy Haskell. Il dit que vous attendez son appel. Je le prends. Oui, quoi de neuf? Mais il fallait pas tout nettoyer spécialement pour moi. J'ai eu la visite annuelle de ma femme de ménage. Escadrille Ragan, ciel dégagé. Non, ne touche pas à ce programme. Je ne veux pas que les Japonais apprennent que j'ai mis sur la touche leurs données d'expo. Pour le plaisir ou pour le profit? Un de mes clients particuliers veut savoir jusqu'où ils ont baissé les prix cette année. Ça m'a pris 1 mois pour entrer dans Tokyo. J'ai dû passer par cette foutue Afrique du Sud. J'espère que ton client a le bras assez long pour réduire 50 tôles en 3 mois d'intérêt général. J'ai toujours son numéro personnel au cas où ça foire. Je perds le contrôle, je tombe. Ah bah bravo. J'étais arrivé au niveau 5. Au fait, ton histoire d'incendie, ça s'est terminé comment? Lorsqu'il a su qu'on avait découvert l'incendiaire, il s'est dégonflé comme un soufflet trop cuit. Tiens, je te l'offre de bon cœur. En tout cas, ça m'a pas pris longtemps. Choix du champ d'accès. Rapport de patrouille de la police de Los Angeles. Le 23 mai, c'est la nuit où on t'a transplanté. Nuit plutôt chargée, oui. Viol, course de bagnole, trouble de l'ordre public. Donc un vendredi normal. Et... information prison. Juan Bermero. Il a fracassé une voiture dans une impasse de Soto Street. Il n'avait que 23 ans.
Tout ce qu'il avait sur lui, c'est une facture de 20 dollars, la photo d'une copine. Il n'avait pas de casier, jamais expulsé. Son mec était vierge. Oui, ce gars-là était un anonyme. La mère et le père sont venus signer la levée du corps. L'APO portait le nom de Nash Creed. L'APO? Oui, l'agent pourvoyeur d'organes, mieux connu dans la rue sous le nom de fourgueur d'organes. Les intermédiaires, ils doivent les traquer et les capturer. Marina Barmejo. Je suis Nicolas Stillman. J'ai le cœur de votre fils. Vous êtes sûr que vous en voulez pas? Non, sans façon. Vous savez, d'une certaine façon, c'est comme s'il était vivant dans mon corps. Comment était-il? Votre fils était un bon garçon? Oui. Un gamin gentil. Sans aucun problème. Il avait rien à voir avec tous les autres salopards. Je ne veux pas être irrespectueux, croyez-le. Mais vous êtes plutôt jolie femme, Marina. Vous trouvez? Vous deviez être très jeune lorsque vous avez eu Juan. Oui, j'ai la chance d'être féconde. Je te présente Monsieur Stillman. Il porte le cœur de Juan. Je suis venu vous remercier tous les deux. Je suis assez déçu, je n'ai pas vu une seule photo, ni sur les murs, ni ailleurs, en entrant. J'aurais voulu vous demander si... Enfin, ça m'aiderait beaucoup si je pouvais voir son visage. Devriez vous en aller, amigo. Nick? Nick? On est au milieu de la nuit. Ce ne sont pas ses parents. Quoi? Les parents de qui? Juan Bermejo. Mon donneur. Tu as réussi à découvrir son nom? Ça n'a pas été difficile. Non. Évidemment non. Pour quelqu'un comme toi. Ce ne sont pas ses parents. Pourquoi tu dis ça? C'était la pagaille dans la maison. Je crois que la fille était défoncée. Elle est à peine assez âgée pour pouvoir être sa sœur aînée. Il n'avait même pas une seule photo de lui. Dans un tribunal, on appelle ça des présomptions. Un assureur appelle ça les statistiques de probabilité. Pour l'amour du ciel, Nick, pourrais-tu arrêter un instant de te prendre la tête avec cette histoire? Montre-moi comment faire, Alice. Tu me le montres et je le fais. Je ne me soucie pas de savoir qui c'est. Je me fiche de savoir qui sont ses parents. Tout ce qui m'intéresse, c'est nous. Oh, Nick, la vie nous offre une seconde chance. Une chance de rebâtir ensemble ce que nous avons laissé s'abîmer si longtemps. Je veux que tu vives, Nick. Avec moi. C'est trop demandé à ton cœur. On me cache quelque chose.
Laissez-moi mon père parce que j'ai beaucoup péché. Il y a longtemps que vous êtes venu en confession. J'en sais rien, je me rappelle pas. Êtes-vous prêt à confesser toutes vos fautes devant notre Seigneur? Mon père, je suis vivant parce qu'un autre homme est mort. J'ai besoin de votre aide. Je veux savoir qui il était. Pourquoi? Cet homme est mort. Non, 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 il est encore en vie. Je le sens, moi. Est-ce que je connais cet homme? Ils disent qu'il s'appelait Juan Bermejo. Ensuite, je sais pas, il était jeune. Il a été tué dans un accident de voiture le 23 mai. Je crois que c'était un clandestin. Savez-vous combien d'hommes sont dans son cas, dans cette cité? Mon père, il faut que je sache qui est l'homme qui a sauvé ma vie. Ce que vous demandez me paraît pas possible. La plupart des gens détestent parler parce qu'ils ont peur des hommes tels que vous. Alice, c'est elle que vous êtes là? Je préfère que ça reste confidentiel. Je prierai le Seigneur qu'il vous conseille et qu'il vous pardonne vos fautes. Nick, la prochaine fois que vous voulez passer pour un catholique, lisez et retenez d'abord les sacrements. Oui, oui, entendu, mon père. Ce soir, les Orioles de Baltimore reçoivent les Minnesota Twins au Memorial Stadium de Baltimore. Le match promet d'être serré, d'autant que Sin Yang a rejoint les Orioles cette saison. Rappelons que Sin Yang détient le record des retraits par pitch. Il en est au 153e en 2 ans. Certains le comparent déjà à Walter Johnson, qui dans les années 20 fut déclaré le lanceur le plus rapide qu'il n'ait jamais connu. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et sa tâche sera rude pour remonter son équipe, qui n'a gagné que 10 matchs la dernière saison. Mais tout de suite, en direct du stadium, Walter Johnson. Latéral sur le bouquet électrique et circonscrire ce qui apparaît être un caillot sur la veine. Danny! Celui-là. C'est le groupe d'assurance vieillesse qu'on réorganise. L'équipe de Jack Wicker? Mais ça fait 200 personnes. Vous avez dit de réduire généreusement. Bureau de Monsieur Stillman. Un moment, s'il vous plaît. Père Arias voudrait vous parler. Elle s'appelle Gloria Mendez. Elle n'est pas de cette paroisse, mais elle a beaucoup entendu parler de mon enquête. Elle était fiancée et devait épouser Juan Bermejo. Cœur. Bien, s'il s'agit du même Juan Bermejo, j'ai bien peur que oui. Mais vous parlez ma langue? Mieux que vous ne parlez l'espagnol. Quand l'avez-vous vu la dernière fois? Il y a 3 mois, tout juste.
On avait décidé de vivre au nord. On pensait que c'était mieux de se séparer un peu. Si l'un de nous réussissait bien, l'autre devait le rejoindre. Son cousin nous a parlé d'un bar, à Bull Eye. La Sastreya Praia. C'est là qu'on devait se retrouver. Elle n'est jamais venue. Avez-vous vu les autorités? Vous êtes fou. Non, je veux seulement parler de la façon dont il a été tué. D'après le prêtre, il a volé une voiture. Oui, c'est ce que le rapport de police dit aussi. Non, c'est faux. Il ne savait pas conduire les voitures. Vous êtes sûr? Ça lui faisait peur. Au pays, je devais le conduire partout. J'aimerais savoir s'il m'aime encore. Et j'aimerais savoir ce qu'il ressent quand vous faites l'amour à votre femme. Marina ? Marina ? Il y a quelqu'un ? Ouais, ouais, ça fait partie du marché, voilà ce que je crois. Oui, oui, il le sait. Je te rappelle plus tard. Salut. Vous cherchez à avoir des problèmes, vous allez en faire. J'essaie de découvrir ce qui est vraiment arrivé à Juan. Ah, tres cervezas, por favor. Si. Hasta luego. Oh, naturellement. Gracias. De nada. Voilà, vous n'êtes pas mal de soi. Non, seigneur, personne ne le connaît. Ça, c'est assez curieux. Si j'en crois ses amis, il venait sans arrêt ici après son travail. C'était un habitué. Eh, por nada. Reprenez votre argent, seigneur. Ici, personne ne pourra vous aider. Vous avez un très joli bar. Si. Il vous manque une certaine clientèle. Les gens de l'INS. Quoi, l'immigration? Vous rigolez? Ils viennent souvent ici. Ils aiment mon pollo con mole. C'est le meilleur du coin. Des endroits mieux que ça pour se garer. Oui, oui, c'est ce que je me disais. Les types dans votre genre n'ont rien à faire dans le coin. Sinon, ça rend les gens un peu nerveux. C'est ce que je me disais aussi. À partir de maintenant, gardez vos questions pour Beverly Hills, amigo.
Oye, puta. Quédate con tu raza. ¿Me entiendes? Desgraciado. Vamos. Alors, pas d'espagnol. Quelques souvenirs qui me restent de l'école. Il faudrait voir un docteur. J'ai réussi à me faire pas mal d'ennemis. Pourquoi vous posez toutes ces questions? Je sais pas trop. On pourrait peut-être s'entraider, Gloria. J'ai pas vu le mur en ouvrant le rideau du garage. Non, il ne s'agit pas seulement de moi, Alice. Il y a eu ce gamin aussi. Et lui, il est mort. Dans une ruelle, écrasé contre un mur. Et tu sais le plus drôle, il ne savait pas conduire. Ah oui, comment le sais-tu? C'est sa copine qui me l'a dit. Oh, Seigneur. Où cela va-t-il s'arrêter? Et oublie toute cette histoire! Il se passe des choses étranges me concernant. Est-ce que tu veux que je ferme les yeux? Quels que soient les faits qui se sont déroulés, je veux que tu gardes en mémoire que si tu es encore en vie, c'est grâce à eux. Tu te rappelles le nom que tu m'as donné? Creed, le chasseur d'organes. C'est un ex-flic de Los Angeles. Parti en retraite il y a 2 ans. Ce n'est pas un génie, mais il est passé les patrouilles de nuit au grade d'inspecteur en un clin d'œil. Un bon et mauvais flic dans le même personnage, très efficace vis-à-vis de la mauvaise graine. Il a eu plusieurs démêlés avec la police des polices pour racket, vol, extorsion. Mais tous leurs témoins oculaires se pointaient frappés d'Alzheimer. Tenez, monsieur Coulon. Il a dû avoir quelques admirateurs. Oh, pour ça, oui. Il y en a un qui lui a collé 4 balles dans le dos. Un petit dealer occasionnel, il s'appelait Joe Ray. Creed lui a complètement enfoncé la tête dans une boîte à ordures. On peut y voir une sorte de miroir métaphorique. Et puis, le surlendemain, il y a un sniper qui a envoyé Creed à la retraite alors qu'il dînait sur Jefferson Avenue. Tout le monde a pensé que c'était Joe Ray, mais il a disparu juste après la sortie de Creed de l'hôpital. On dit qu'on a retrouvé des morceaux de Joe dans Griffith Park plus d'un an après. Alors comment un inadapté social se retrouve-t-il à faire du commerce d'organes? Eh bien, il répond parfaitement au profil. Excellent enquêteur et une grande persuasion. Belle bête, pas vrai? Bonjour, je suis Nicolas Stillman, patient de David Bosch. Ah oui. Est-ce que le cœur tient le coup? Ah oui, c'est un peu douloureux de temps à autre. Ouais, je connais bien le mécanisme. Ah bon? Oui, nous avons des choses en commun, vous et moi. J'ai aussi subi une transplantation. Un salopard a fait de la bouillie d'un de mes reins il y a 5 ans. Un peu les risques du métier. Et vous êtes devenu chasseur d'organes? Bon, disons que la procédure a un peu piqué ma curiosité. Comme vous, je crois. C'est un très joli bateau. J'imagine volontiers que c'est plutôt dur à entretenir avec une retraite de policier. Je ne suis pas dépensier. Écoutez, je tenais à vous remercier de tous vos efforts pour me sauver la vie. Quelques coups de téléphone, rien d'autre. Les rapports de police disent qu'il s'est tué au volant d'une voiture. Ouais. Le plus curieux dans le cas présent, c'est qu'il ne savait pas conduire. Ils savent tous conduire. Non, pas Juan. D'où vous tenez ça? Quelques appels téléphoniques. Eh bien, c'était peut-être sa première leçon de conduite.
La petite friture, j'ai horreur de ça. Dommage que la plupart des patients n'aient pas l'occasion de voir les efforts qui sont faits pour les garder en vie. C'est un métier difficile. Tout le monde renonce constamment à quelque chose. Excusez-moi. David, monsieur, vous faites très réussi. J'ignorais que vous étiez invité. Je ne suis jamais invité. Je suis juste venu prendre l'air. Vous prendrez bien un verre? Que voulez-vous boire? Gin? Vodka? Scotch? Tequila. Sans glace. Oh, bonsoir. Stillman est passé me voir l'autre jour. Ah oui? Pour quelle raison précise? Son cœur. Il est loin d'être bête, Barsh. Sa réputation se l'est faite en démasquant les escrocs. On m'a dit que le type est une putain de belle ordure. Je connais très bien son passé. Ce genre de type réussit toujours. J'aime pas les fins en queue de poisson, ça me met à cran. Nous allons devoir laisser la nature suivre son cours. Vous voulez traduire? Je veux dire que ce genre d'histoire finit par se résoudre d'elle-même. Quand on a sur le dos ce genre de mec, on ne laisse pas les choses se résoudre toutes seules. Et avec ce genre de client sur le dos, on n'aime pas beaucoup les gens qui posent trop de questions. Je vais m'en occuper. D'accord. Faites-moi confiance. Bonsoir, David. Bonsoir. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Ah! J'espère que ça ne va pas modifier notre projet en cours. Cette fois, on a affaire à un client important. Ça risque de vous coûter beaucoup d'argent, Toubib. Mes amis à la Banque du Sang m'ont dit que ce serait probablement un mariage délicat. Vous ne regretterez pas. Ne laissez pas les choses trop déraper avec Stillman. Là où on vous enverrait, la sexualité est hors norme. Un réseau de chasseurs d'organes travaille jour et nuit aux quatre coins du pays, à la recherche des profils informatiques, négociant avec les familles accablées de douleur. Nous sommes tous en attente. Mais on ne réussira pas. Et partout autour de moi, des gens décèdent, des malheureux ne pouvant être sauvés. De nombreux cœurs en excellent état se sont vus brûlés, ou bien enterrés, ou simplement jetés aux ordures. Mon patient est un homme important. Il fournit des emplois, il procure la sécurité. Des hommes comme lui sont absolument nécessaires. Mais vous disiez que Nick allait mourir. Vous disiez aussi qu'il vous suffisait de manipuler quelques papiers pour qu'il puisse se retrouver en tête de liste. Et j'ai fait ce que j'ai dit. J'ai manipulé des papiers. Ne vous moquez pas de moi, David. Je ne suis pas une de vos patientes. Faisons en sorte de bien nous comprendre tous les deux. Nous en avons discuté longuement et j'ai agi avec votre accord. Vous avez sauvé sa vie, Alice. Vous avez pris des risques pour le faire. Mais attention, il faut maintenant être sûr qu'en aucun cas, il n'ait été pris pour rien. Tout ce qu'ils ont est leur plan. Il leur fait de belles promesses en leur disant qu'elle va s'occuper de tout. Il fera peut-être venir leur famille ici, ou peut-être pas. C'est ce qu'on appelle du racket. Il est de la pire espèce. Il se nourrit sur le dos des gens de sa race. Plusieurs personnes m'ont dit que c'est lui le coyote qui a amené Juan aux États-Unis. Comment ça? Vous le croyez mêlé à la mort de Juan? Et vous croyez quoi, hein? Je commence à comprendre pourquoi je lui ai fait perdre son calme. Tenez, Gloria.
On croyait que la vie serait différente ici. Les maisons sont jolies. Tous les enfants ont des vêtements neufs. On l'espérait différente. Mais où est cette différence? Je travaille très dur. D'accord, je fais des choses. Mais ça ne veut plus rien dire. Je ne suis pas sûr que ce soit bien que vous posiez autant de questions à tout le monde. Non. Les gens se font de fausses idées. Mais Vale Madre, ça ne m'intéresse pas ce qu'on pense de moi. Mais ça n'est pas sans danger, c'est ça que je veux dire. Dites-moi ce qu'il n'est pas. Traverser un fleuve au beau milieu de la nuit, ça oui, c'est dangereux, c'est vrai. Passer la nuit en camion pendant plus de 12 heures avec des hommes complètement sous, ça oui, c'est dangereux, c'est vrai. On travaille pour des riches qui vous déclarent pas et qui vous donnent à la police. Pour un oui, pour un non, voilà aussi ce qui est dangereux. Et qu'est-ce que vous allez faire, Gloria? Vous allez repartir? Non. Ça va. Vous avez l'air fatigué. Non, non, ça va aller. Oui, oui, ça va aller. Il le faut vraiment. Le cœur de mon Juan est en vous. Hey, amigo. Vienes por aquí. Aiuto! Pasco! Señor, ¿qué te pasa? Me duele mi cuerpo. Il y a un type au fond d'une ruelle au 18 Alvarado. Il est salement amoché. Dépêchez-vous. Nous avons été formidables. On fera d'elle une centenaire. Son père tournera peut-être un film sur vous. Montrez-moi vos jambes. Ouais. Ouais, elles sont un peu enflées. Des vertiges, de la fatigue? Non. Pourquoi? Eh bien, les patients dans les premiers mois de convalescence ont tendance à se surmener, et en particulier les atypiques, comme Stillman. Il faut que je rappelle à ces hommes qu'ils restent mortels. Il n'y a rien d'alarmant. Vous allez remonter votre manche et je vais vous injecter un diurétique pour atténuer ces œdèmes. J'ai reçu votre invitation pour la cérémonie de collecte de fonds ce matin. Oui? Superbe, non? C'est un artiste de Venise qui l'a conçu. Que voulez-vous exactement que je dise? Tout ce qui vous viendra à l'esprit. Que ce soit bref. Les gens préfèrent toujours voir les résultats sur pied. Un témoignage vivant, en sorte. C'est un peu ça, oui. Vous avez un visiteur. Un saleté de bécane indonésienne. Il y a combien d'années que t'as pas fait de ménage dans ton bureau? Je me rappelle pas. Si je veux, je peux te mettre sur table d'écoute à partir d'une cabine de Pacoima. Je te remercie de cette précieuse remarque. Ton dévoué serviteur. Tiens, je t'ai apporté un petit cadeau. Comment tu te sens? Je crois que je couvre une grippe. Alors tourne-toi quand tu tousses.
À gauche, patients ayant subi une transplantation. À droite, donneurs ayant offert leur cœur. Tous opérés par un certain David Bosch, l'homme des prodiges. Tu veux en tirer un scénario? Ce Rinaldi, là, c'est pas le chef d'orchestre du Philharmonique? Dans le mille. Ce gars-là, Robert, cet inconnu, est armateur milliardaire résidant à San Diego. L'autre, Morrison, il a fait fortune avec des appartements à très bas loyers dans le quartier d'Hollywood Nord et en bonne compagnie. Les donneurs? À eux, c'est des ouvriers au noir, peintres, cuisiniers de restauration rapide. Dans les assurances, il doit y avoir une expression. Statistique de probabilité. Procédure judiciaire. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tu as un mobile, de gros capitaux, toutes les opportunités. C'est solide comme motif. Génie. Est-ce que tu réalises la difficulté de prouver la machination? Ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Voyons, Nick. Il y a des centaines d'avocats à Washington qui gaspillent l'argent des contribuables en proférant ces platitudes. Dans cette affaire, la seule chose qu'on ait pour l'instant, c'est les indices. Et tu le sais bien. Mais il suffirait d'un rien pour que le château de cartes s'écroule. Mais comment faire? Mais pourquoi tu hésites? Enfin, le schéma est limpide comme de l'eau de roche. Le schéma est limpide, c'est ce que tu crois? À ta place, je prendrais un petit peu de recul et je regarderais mieux. Arrête de tourner autour du pot, bon sang. Écoute-moi. Bausch recherche des amis d'influence pour l'aider à bâtir sa clinique. Et il soigne toujours attentivement ceux qui promettent de lui trouver des subsides si jamais ils vivent assez longtemps pour ça. Et qui possède autant d'argent, d'après toi? Je parle de beaucoup d'argent. Ceux qui peuvent acheter des gars comme Creed. Ceux qui peuvent acheter un meurtre. Regarde bien où la route t'emmène, Nick. Moi, tu veux dire que j'ai prévu ma crise cardiaque? Enfin, réfléchis, j'étais inconscient. Toi, oui, mais pas Alice. Il faut un peu sérieux une seconde. Tu la vois aller au supermarché m'acheter un cœur, c'est ça que tu veux me suggérer? C'est toi qui viens de le faire. Une fois que l'autre partie l'aura clouée sur place, alors Lady Macbeth à côté d'elle apparaîtra comme Sœur Teresa. Un peu de réalisme. Le réalisme, c'est ce qu'un juriste fait avaler au tribunal. Tu marches sur des charbons ardents, mon cher ami. Tu les traînes devant les tribunaux. Et c'est ta femme que tu condamnes. Je vous remercie pour le tuyau, mais... j'admets avoir été assez surpris qu'il vienne de vous. La charge de revanche. Je ne l'oublierai pas. On lui a mis la main dessus hier à Panorama City. Il fourguait un kilo de poudre assez moyenne. Et on a eu la fille quand elle s'est pointée au poste pour payer sa caution. On a commencé à les suivre depuis l'adresse de Venise que vous nous aviez donnée. Mais il n'y avait aucun gosse chez eux. Ils n'en ont jamais eu. Arrête de me regarder comme ça. Je repensais à toi quand tu étais petite fille et que tu jouais à la balle. Tu as très peu changé depuis ce temps-là. Très délicat. Ça se voulait seulement un compliment, Diz. Toute petite, tu étais très jolie, tu sais. Tu l'es encore. Tu ne m'as pas appelée Diz depuis mes 10 ans. Bon, allez, je t'écoute. Dis-moi ce qu'il y a. Je voudrais que tu me pardonnes. Quoi? Je n'ai pas été un très bon père pour toi, j'en ai conscience. C'est vrai, j'étais complètement replié sur moi. Et en quelque sorte, j'ai gâché ton enfance. Et vraiment, je le regrette. Plus que tu ne l'imagines. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu te sens bien? Oui, très bien. Il y a... un truc bizarre s'est produit après ma transplantation, tu comprends? J'ai changé. Je voudrais seulement qu'on devienne amis, tout de suite, là, si tu veux. Et j'espère qu'il est encore temps pour nous deux. Je
Carmen? Carmen, est-ce que c'est vous? Bonsoir, Alice. Allez-vous-en, sortez. Est-ce que Nick tient le coup? Sortez immédiatement ou je vous jure que j'appelle à l'aide. Restez tranquille. Qui pensez-vous qui viendra? Carlos, l'homme de ménage? Écoutez, je ne vous connais pas. Ce que vous dites est sans intérêt pour moi et je ne sais pas ce que vous voulez. Je vais vous le dire. Je veux que vous essayiez de réfléchir sur la fragilité de la vie. Car très peu de gens en ont conscience, tout spécialement quand ils sont riches. Et séduisant. C'est curieux ce qu'une transplantation a comme effet sur les gens qui se réveillent après l'opération. Il y en a parmi eux qui se mettent à apprécier ce qui est vraiment important dans la vie. Et puis d'autres deviennent déraisonnables. C'est une menace personnelle? Non, un simple rappel des choses. Je vous demande de ne pas oublier tout ce qui a entraîné le fait de le sauver. Et je vous demande à vous de ne pas oublier que je suis avocate. Oh. Et tellement attirante. Oh, telle mère, telle fille. Quoi? Oh, espèce de salaud! Ce genre d'école doit coûter une petite fortune, non? Mais peu importe, vous en avez les moyens, pas vrai? Rappelez-vous, Alice, je peux l'atteindre à tout moment. J'essaie de faire le point. Le point? Sur quoi? Sur notre avenir. Il faut que je sache, Alice. Pourquoi? Pourquoi t'acharnes-tu? Parce que si ce que je crois est vrai, ça veut dire qu'ils ont bien tué ce gamin. Non, je peux pas le croire. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas? Oh, c'est que j'aimerais me réveiller de ce cauchemar. Réfléchis, c'est un scénario parfait. L'élite des vampires se nourrit de la vie d'immigrants clandestins qui sont pour l'Amérique une source naturelle, renouvelable sans cesse. Ne sois pas grotesque. On pourrait ériger une nouvelle statue de la liberté en l'honneur de Bauche, avec pour inscription « Donnez-moi vos laissés pour compte, vos pauvres, on pourra leur briser le crâne et en finir avec eux. » Arrête! Arrête! Arrête!
que je veux, c'est la vérité. Tu as pensé aux conséquences? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier dans ta quête de la vérité? Ta maison, ta famille, moi? Tout ça n'a rien à voir avec toi. J'y suis mêlée au premier plan. Bon sang, Nick! Je croyais qu'il voulait seulement trafiquer ses papiers personnels. Quoi? Il n'y avait pas un seul donneur. C'était une course contre la montre. On était tous affolés. Bon, je disais qu'il pourrait tout arranger à condition que je ferme les yeux. Il avait trouvé un cœur, Nick. Un type qui venait de mourir. On n'avait à demander à personne. Il était sans famille. Il était seul. Mais tu sais ce que tu as fait. Tu te rends compte de ce que ça entraîne? Je n'allais tout de même pas te laisser mourir pour un problème de signature. Oui, j'ai paniqué. C'est vrai, mais à ce moment-là, ce que j'ai fait, je l'ai fait de bonne foi. Je lui ai remis un chèque. Je trouverai un moyen de le coincer, Alice. Il s'en moque éperdument maintenant. C'est trop tard. Tu ne comprends pas? Tu vas leur proposer qu'ils reprennent ton cœur? Ils se fichent pas mal de toi, ils se fichent pas mal de moi, mais sûrement pas de savoir où Danny habite. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Un des hommes de Beauche, tout à l'heure, s'en est pris à moi, dans les toilettes. Il a posé ses mains sur moi, sur mon corps, sur mon visage, sur ma poitrine. Contre son blazer d'école. Je tuerai ce type. Ah oui, c'est ça, c'est malin. Si tu ne meurs pas d'une autre crise cardiaque, tu iras en prison pour meurtre. Mais qu'est-ce que tu veux? Que j'oublie tout ça, sans doute? Oui. Non. Oh, je ne sais plus, Nick. J'étais très amoureuse de mon mari. Je ne voulais pas qu'il meure. Ni que personne ne meure. En ligne. Elle dit que c'est important. Voulez-vous que je prenne un message? Gloria? Il faut que je vous voie tout de suite. Je rencontrerai une femme. Elle dit qu'elle a payé 1000 dollars au coyote pour qu'il ramène son fils du Guatemala. Deux semaines après son arrivée à Los Angeles, il a disparu. Et il n'est malheureusement pas le seul. Il y en a d'autres. Vous voulez que je passe vous prendre chez vous? Non, pas chez moi. Ça va? Est-ce que vous tenez le coup? Retrouvez-moi au parc. Celui en bas de la rue, là, ça serait Gabriel. Ils l'ont trouvée dans le parc de Boyle High. Elle est morte d'une overdose. Je lui ai donné les derniers sacrements.
ça est ma faute, Alice. Tous les événements me reviennent en tête. J'ai toujours eu envie d'améliorer les choses. Je ne voulais pas qu'on parte à la dérive. J'avais perdu toute notion de ce qui était vraiment important. J'avais oublié à quel point je t'aimais, à quel point j'avais besoin de toi. Ça ne devrait pas arriver, Nick. Et s'il ne s'agissait pas de Bosch, je n'hésiterais pas à parler d'incompétence. Vous sous-entendez que ce serait délibéré? Je ne sous-entends rien du tout. Jusqu'à ce que j'aie votre dossier, enfin complet. Qu'est-ce que vous faites? Je vous fais réadmettre à l'hôpital. Il est important que vous ayez une biopsie du myocarde et tout de suite. Non. Vous avez un sérieux problème. Le cœur semble être en phase de rejet. Mais tous vos signes neurologiques suggèrent les effets de la toxine diphtérique. La diphtérie? Pour être franc, ça n'a aucun sens pour moi non plus. Il faut vraiment faire cette biopsie. Non, non, c'est... Non. Donnez-moi la journée. Je vous en prie, docteur. J'ai besoin d'un peu de temps. J'ai encore quelques petites choses à mettre en ordre. On dirait un temple, vous ne trouvez pas? Oui, c'est très impressionnant, docteur. Les hors-d'œuvre seront servis à chaque angle de la pièce et l'entrée prévue est un saumon poché sauce beurre blanc. D'accord, écoutez, je veux une facilité totale d'accès au bar. Je ne veux voir personne avoir soif. Bien compris, monsieur. Le sénateur est assis là-bas. Le gouverneur a promis de faire acte de présence, alors vous devez rester, cher ami. Excusez-moi, petite minute. Excusez-moi. Je ne savais pas où te trouver. Il y a plusieurs personnes qu'il faut que je te présente. J'espère qu'ils sont moins cardiaques ou riches. Tu es affreux. À mort. Vous allez être en retard, vous ne croyez pas? La fête a déjà commencé. Vous n'en serez pas, j'imagine. Non, pas été invité. Vous devriez vous y montrer. Comme ça, vous attribuerez votre part de mérite. Le mérite de quoi? Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Vous êtes un ex-poulet. Vous connaissez la musique. Vous appelez vos amis des banques du sang, des urgences, à la recherche d'une compatibilité. Vous trouvez un anonyme, vous le passez à tabac et ensuite vous téléphonez aux flics. Avant que l'ambulance soit sur les lieux, vous le finissez. Mort récente, cœur intact, prêt à porter. Pas mal. Et après? Vous avez tué beaucoup plus de gens en les privant d'assurance que je ne l'ai fait en essayant de sauver des vies. Mais pour qui est-ce que vous vous prenez exactement? Pour Saint-François d'Assise? Ces gamins, c'était de la mauvaise graine. Il y en a des millions comme ça. Non. À cause de mon cœur. Ah. Écoutez. Parce qu'ils ont été assez malins pour passer la frontière. On leur donne un salaire, des prestations sociales.
On accepte leurs enfants dans nos écoles. Et pour faire bonne mesure, on leur file un contrat de libre-échange pour qu'ils ramènent pas leurs proches par centaines. Alors, reprendre une chose dont on a besoin, où est le mal? Qu'il en manque une douzaine, qui s'en apercevra? Ça n'est pas suffisant pour que la police mette le nez dans votre petit commerce macabre. J'adore les gens qui me parlent comme ça. On est de la mauvaise graine, vous et moi. Lâchez-moi un peu. Nous sommes les clients. Et n'importe qui d'autre n'est qu'un emballage perdu. Vous croyez pas un mot de ces conneries, pas vrai? Un type aussi intelligent que vous. Je peux pas le croire. Voilà un homme. Un homme très riche. Avec une très jolie femme. Un cœur tout neuf. Une deuxième chance. Pourquoi vous essayez pas de profiter de la vie? Laissez-vous aller, voyons, au lieu de chercher la petite bête. Je sais que vous avez tué ce gosse et je sais que Bosch vous a payé pour le faire. On vous a pas encore dit que l'association de malfaiteurs était difficile à prouver. On n'en a pas encore fini tous les deux. Oh si, c'est fini. On va s'offrir une petite croisière au clair de lune. Oh, maintenant il va nous jouer la légitime défense. Bon, t'es armé, Superman, d'accord, et après? C'était couru d'avance. C'est une chance que des gens comme toi ou Bosch soyez plein aux as. C'est la seule chose que vous soyez capable de faire. Installez dans vos bureaux luxueux. Vous jouez avec la vie de tout le monde, mais vous ne la comprenez pas. C'est pour ça qu'il vous faut des gens comme moi. Des types qui vous sortent de vos problèmes. Qui répare vos boulettes. Qui vous trouve de nouveaux cœurs. Oh, espèce de sale petit con. Tu m'as collé une balle. Des heures que je cherche à vous joindre. Il faut que je vous parle. Oh,
t'inquiète pas. Nick, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Nick, dis-moi ce qui t'est arrivé. Nick, qu'est-ce que tu viens de faire? Je viens de découvrir la vérité. Creed m'a tout dit. Il est mort. Oui. Je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Non. Brockman m'a tout raconté. Viens. Non, mais si t'as tout dit, tu sais qu'il est trop tard. Non, je vais te trouver un autre chirurgien dans une autre ville, chérie. Et on te fera une autre opération. Non. Non, je supporterai pas une autre opération. Puis même si c'était possible, ça donnerait à Bosch assez de temps pour effacer les preuves. Écoute, Nick, je me fiche de Bosch, oui. Nick, je me fiche de Bosch, j'entends. Je vais mourir, Alice. Non. Il faut en finir sans attendre. Il faut qu'on en finisse avec cette histoire. Non. J'ai besoin de ton aide. Je t'en prie, Alice. S'il te plaît. Essayez d'imaginer si Haydn avait seulement vécu 35 ans. C'est l'âge auquel Mozart est mort. Nous aurions été privés, hélas, de plusieurs de ses plus belles pièces musicales. Et bien sûr, je ne suis pas Mozart. Non. Mais maintenant, je sais que j'ai un espoir de pouvoir être un Haydn. Grâce à mon cher ami ici présent, David Bausch. L'espoir est le souffle de la vie. Et un nouvel espoir m'a été donné par le docteur Bausch. Il est constellé de nouveaux désirs, de nouveaux rêves. Nick, je ne pensais pas vous voir là. Oh, ça je sais, oui. Vous avez l'air épuisé, asseyez-vous. Non, non, j'ai d'abord un discours à faire. Vu votre état, je crois préférable de ne pas rester debout comme ça. Écartez-vous, Bausch. Ne comptez pas me ridiculiser devant tout le monde. Bon, je vais faire beaucoup mieux que ça. Cette clinique ne ressuscitera pas seulement la vie, mais le rêve et l'espoir. Je constate que le seigneur Stillman a enfin réussi à arriver et je pense qu'il sera heureux de vous dire quelques mots. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas pu me changer, je ne voulais pas rater la fête. C'est curieux, comme nous perdons aisément toute notion du temps. Nous oublions ce qui est important dans la vie, son côté fragile avant toute chose. Imaginez-vous gisant, impuissant, dans votre jardin, écoutant votre femme implorant une aide, le simple poids de votre thorax écrasant le reste de vie qui est en vous. Il n'y a rien que vous puissiez entreprendre pour vous sauver. Vous allez mourir. Mourir parce que l'organe dont vous avez besoin ne sera pas disponible à temps. Ça suffit comme ça. C'est un geste, je tire sans hésiter. Mais le docteur David Bausch est un homme brillant. Et vous qui êtes présent, vous êtes très important. Vous tous, vous contribuez aux œuvres de la société. En fait, probablement contribuerez-vous d'une façon généreuse à la clinique que David a imaginée. Clinique où la transplantation sera un acte aussi commun que, comment disiez-vous, David, qu'une amygdalectomie? Ou la difficulté à trouver des organes fera partie de l'histoire ancienne, où la fraude et le meurtre ne seront plus les outils du pourvoyeur. Parce que, aujourd'hui, quelle importance de trafiquer quelques papiers? Puisqu'aucune famille ne viendra pleurer un cadavre non identifié. Mes chers amis, Nick fait une petite dépression. Moi, je suis vivant, c'est parce que j'ai beaucoup d'argent. Parce que je suis un homme important. Nick, ça je suis vivant maintenant. Parce que celui qui m'a donné son cœur ne l'était pas.
et le docteur David Bosch, homme extrêmement intelligent. Il est évident que Nick n'est plus en pleine possession de ce Ninga. Engager quelqu'un pour qu'il me trouve un cœur. Nick, ça suffit. Et maintenant, un gamin est mort. Ça suffit, arrêtez. Et je suis vite. Ce genre de réaction est loin d'être inhabituel. On ne peut pas prédire comment chaque personne va réagir au traumatisme d'une transplantation. Non, ne partez pas, arrêtez! Comment avez-vous pu me faire ça? C'était plutôt facile. Il suffisait de dire la vérité. Je reste malgré tout le meilleur praticien. Non, plus maintenant. Excusez-moi. Oui. Pardon. Oui. Alice, laisse Tom s'occuper de lui. Alice. Je vous avais sauvé la vie. Accueille-le, ô Seigneur. Il était ton fidèle serviteur et il portait en lui la lumière que tu avais mise dans son cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.